Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur Farming Simulator 2013 pour l'épisode 50 de cette carrière suivie. Donc on est parti pour commencer notre nouvelle activité sur Farming Simulator. Donc on est parti, donc c'est-à-dire l'ensilage à herbe. Pour cette activité là. Alors tout simplement, on va récolter l'herbe qu'il y a au bord des champs, donc ça je vais le faire. Hein. On va aller, bah ça pourra nous faire visiter la carte. Donc on va aller à un endroit de la carte où on n'a jamais été encore. Hein, parce que je pense qu'il y a des débutants sur Farming, même si le jeu ça fait... Bah ça fait 2 ans qu'il est sorti de mémoire. Non, ça fait un an. Et puis, ça n'a pas été relevé, ça je vois bien. Hey, Coco. Ça n'a pas été relevé, ça. Voilà, là, ça a été relevé, je pense. Alors, donc, on va pas faire les bords de route parce que c'est un peu galère à ramasser après. On va aller... on va faire un peu de 4x4. On va passer par ici, donc, sans se coincer, bien sûr. Déjà, c'est mal parti. Bah oui, parce que... Ah, qu'est-ce qui se passe, là, encore? Il se passe rien. Alors, pourquoi tu veux pas? Ah, bah, il n'y a plus le bug. Ok, parce que l'épisode précédent, on a eu un petit bug, donc je vous invite à aller regarder. Donc, pareil, j'espère que vous avez aimé le fonctionnement de la vidéo, parce que j'ai pas eu le temps de voir vos retours de commentaires, mais j'espère que vous avez aimé, même si vous participez pas trop aux commentaires, c'est par vague, des fois j'ai plein de commentaires, des fois j'en ai pas, au pire c'est comme ça, on va dire. Et là c'est bon ou pas? Ça a pas marché. Faut que je baisse ça ou pas? Non, c'est bon, ça le prend. Ok, ça marche. Ok. Voilà, donc ça c'est bien. Hop. Et après on ira au biogaz. Donc faudra qu'on achète un champ. Et ça rapporte énormément. On va ranger le lizard après aussi. Ne vous inquiétez pas, à l'usine à biogaz. Hein. J'ai fait plein d'achats. Hein. Je pense que ça permettra de que vous voyez autre chose sur Farming, parce que je faisais toujours la même chose et je pense que ça peut en gaver certains. Déjà moi ça me gavait quand je jouais parce qu'il fallait toujours que je fasse la même chose et tout. Et c'est vrai que c'est un peu saoulant à la fin de faire toujours la même chose. Et en plus je savais même pas qu'il y avait une vitesse là-dessus. Ça j'apprends un truc en même temps, je croyais que c'était comme on voulait, mais bon, c'est vrai que ça m'a étonné qu'on vous ait comme on voulait. Excusez-moi, je vais pas y arriver. Et donc voilà. Ok, bien sûr. Il est un peu bugué ce tracteur, non? Ou c'est moi qui le manie mal, je sais pas, c'est possible aussi. Mais il serait un peu bugué par moment et ça me poserait des... Ça me... Ouais. Ok. Le truc, je le baisse, mais il se machine quand même. Ok. C'est pas très grave. C'est un peu bizarre, ça. Hein. Bon, soit... mais non, mais pourquoi tu... voilà. Hop. F1. Ok. Ça c'est good. Hop. 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 Voilà, les amis. Ok. Donc. on va repasser par là. Hop. Hop.
On va réactiver ça, on va rebaisser ça, on va repasser en vitesse 2 et c'est reparti. Hop. Voilà, on redresse tout ça. Hop. Voilà, donc bien sûr, il y aura quelques oublis, donc ça je repasserai avec juste la chargeuse activée, hein, parce que je suis très très maniaque sur sur mes champs, même si là c'est pas trop un champ. Mais j'aime bien quand c'est propre, donc hop, hop, voilà, ok, ça marche. Ok. Ah bah alors pourquoi ça lag comme ça? M'énerve ça. Excusez-moi si j'ai un peu gueulé. Mais c'est parce que j'ai toujours un bug. Hop. Un bug avec mes deux écrans. Toujours. Hop. Hop. Voilà, voilà. On va passer par ici. Voilà. Donc voilà, j'ai fait quelques oublis, mais ça va être récupéré, ne vous inquiétez pas. Même si je récupère pas ça en vidéo, ça sera récupéré en off. Hein. Je trouverai toujours un truc à... Voilà. Hop. On monte. Voilà. Ok. Hop. Hop. Peut-être que je le baisse, ça. Voilà. Et je mets en vitesse 2 et c'est reparti. Ok. Hop. 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 Voilà. Donc là, je sais pas, j'ai oublié de... Bon, c'est pas grave. Voilà. On va faire ça. Voilà, donc c'était surtout pour vous faire montrer, mais j'ai oublié de mettre un truc pour vous faire, pour savoir combien je vous fais de temps de vidéo, et mince. Normalement je me mets un petit truc et là j'ai oublié. Bon, c'est pas. Soit. C'est pas grave. Est-ce qu'on peut voir avec le jeu? Je crois qu'on peut voir avec le jeu. Mais alors comment ça se passe avec le jeu? Si je fais 9, c'est pas là-dessus. C'est pas là-dessus. Si je fais ça. Ah, attends. Attendez. Session. Consommation de carburant. Temps de jeu, 10 minutes. Temps de jeu total 6h52, c'est ok, d'accord. Soit ok, mais ça me, ok, d'accord. Donc il faudra que je ramasse les œufs aussi. Je viens de voir ça déjà pendant l'accéléré, j'avais regardé et puis j'ai oublié de me redire qu'il fallait que je ramasse les œufs. Comment ça va se passer là? Parce que ça me enquiquine un peu. Hop. On va ramasser comme ça. Et après, on va aller au biogaz parce qu'il faudrait que ça marche. Donc, je vais faire un tour au biogaz. Bah, avec vous, hein, bien sûr. Donc, ça ferait 5 minutes que je tourne à peu près. J'ai un petit doute, mais ouais, ça doit faire ça, je sais pas, possible. Là je roule un peu trop vite pour qu'il ramasse les trucs lui. Voilà. Ouais. C'est possible. Donc ok, donc quand on attendra 20 minutes, 25 minutes, je pense. Mais est-ce que ça les compte vraiment? C'est ça que je voudrais savoir. Oui, ça a l'air de bien les compter. Ok. Donc on va dire. Donc quand on arrive à. Ok. Bon, excusez-moi si. si je suis en train de. Oui, parce que sinon ça va faire un épisode trop long. Et déjà que vous aurez eu l'épisode précédent assez long, je pense. Je ne sais pas tout de suite parce que je l'ai fait d'affilée là. Parce que. Faut que je remette un peu de l'activité. Des vidéos sur la chaîne. Et du coup, je fais d'affilée. Hein, comme ça, après, je.
Il y en a pour un bout de temps en général, quand je fais comme ça, et donc voilà. Allez, on va tourner, voilà. Tu me baisses ça, tu m'actives ça, et tu me baisses ça, et c'est reparti. Allons, vitesse 2, et c'est parti. Ok, allez, c'est parti. Hop. Le problème, c'est qu'il faudrait que je baisse avec ça. Je vais mettre ça à 50. Et ça pourrait être pas mal. Si je mets ça à 50, parce que du coup, il ramasse pas tout le coco. C'est petit problématique. Hop. Hop. Ok, donc VB. Levée faucheuse. Bah oui, lève la faucheuse, toi. Il est con, lui. Ok, c'est bon. Suis en train de m'énerver après le jeu, quoi. Ok. Donc ça, c'est good. On va aller vider. Donc on va replier ça quand même. Parce que... Même si on n'a pas trop besoin de le replier, normalement. On va le replier, nous. Et on va aller vider ça pour bien vous faire montrer que ça marche. Normalement, ça va marcher. Hein, mais... Voilà, donc je pense que je tondrai la pelouse par ici, vu que c'est juste à côté du biogaz, il n'y a pas de souci. Donc le biogaz faut au moins atteindre 10% du silo, dans le silo. Donc les 10%, on les atteindra assez vite, je pense. Sans compter qu'on fera plusieurs trucs, donc je pense qu'on fera un épisode, on ensile l'herbe, un autre épisode, on attaquera la moisson, on fera un truc comme ça. Ce qui permettra, mais bon, le colza, on l'a vu, revu, enfin voilà quoi. Ça fait, ben on l'a vu, 49 épisodes, ça. Donc je pense que c'est bon. Vous avez eu votre dose, moi aussi. Donc normalement, c'est nickel. Après, ce qui est pour. Donc voilà, donc là, on va attaquer ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, pas grand-chose. Ce qui est pour... Pourquoi je vais vous dire ça? Je sais pas du tout. Et donc après, ça va nous donner plein de... Comment dire? Donc on va vider ça au fond. Et on va... Ça, on peut le fermer, ça. Ouais, du coup, il a un peu... Je pense que je prendrai un tracteur de base pour manier ça. Parce que manier ça avec un tracteur modé, c'est un peu galère. Voilà. Donc vous voyez... là, il met la machine comme ça, voilà, avec les rouleaux. Et voilà. Ok. Et ça, regardez les amis, c'est pour... Ah, ben alors... attendez que je vous montre. Ça marche comme ça. Et regardez. Voilà. Il paraît que c'est pour mettre plus de capacité dans la remorque. Apparemment. Donc voilà. Pour l'instant, nous on va le mettre comme ça et puis c'est très bien. Alors, on va regarder, on a combien de pourcents dans le silo. Donc, bien sûr, faut mettre ça 1%. Voilà, 1%. Donc, c'est rien du tout. C'est rien du tout. On va continuer un peu ça jusqu'à la fin de l'épisode. On va faire ça. Donc, après, je pense que ça vous. Après, on va faire un champ. Hein, et voilà. Après, on va faire un champ et comme ça, on verra tout ça, comment ça se passe et tout ça. Hein. Le rendement, tout ça. Donc, je sais pas si ça vaut plus cher que le maïs ou pas. Donc, après, le rendement, bien sûr, on le met dans dans le truc à ensilage dans le bac là-bas. Voilà. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo. Saviez-vous que dedans, on peut, dans le bac à ensilage là-bas, on peut. On peut donc là c'est un peu buggé ça on se retrouve voilà avec le saviez-vous on peut donc c'est une série que c'est même pas une série parce que c'est le seul truc que j'ai trouvé dans Farming mais c'était pour savoir si vous saviez que on pouvait mettre ça dedans alors je savais pas du tout moi et je sais même pas si je l'ai appris par quelqu'un. Normalement non, c'est moi qui l'ai appris tout seul.
Et donc voilà, j'ai fait ça comme ça, et puis voilà. Puis ça rapporte de l'argent. Alors je sais toujours pas si ça rapporte plus que si on vendait ça à la cabane là-bas. Je sais pas du tout. Donc là, on n'a jamais été sur cette partie, à cette partie de la map. C'est vrai que depuis la carrière suivie, on n'a jamais été vers la boutique agricole, même pas tout ça. Donc c'est pour ça qu'on achètera un champ par ici pour le mettre rempli d'herbe. Et puis voilà. Mais bien sûr, il nous faut de l'argent. Pour ça, bah voilà quoi, on est en train de le faire pour. Déplie-moi ça, Coco. Donc ça, t'actives ça, s'il te plaît. C'est activé. Tu fais ça, tu me fais ça, tu me fais ça. Tu me déplies ça, et normalement, si je regarde, tout est easy. Voilà, nickel. Levez. Ok, ça marche. Bah voilà. Mais c'est vrai qu'il me faut pas un tracteur modé, donc. Ça va. On va s'acheter un. Donc, prochain achat, je pense que c'est un tracteur et un champ. Donc, pour ça, on va. Il y a le colza et l'ensilage. Donc, voilà. Je pense que je vais m'attaquer au blé aussi. On verra bien, on verra bien. Plein de projets sur ce jeu-là, donc enfin sur la carrière suivie surtout, et donc voilà. Hop. Donc c'est vrai que bah là on tond la pelouse et voilà quoi, il n'y a pas grand-chose à dire sur ça quoi. C'est du basique. Je sais pas si beaucoup de monde le savait. Je verrai dans les, je vais voir dans les commentaires. Oui, on dit je verrai. Ouais, enfin. Je verrai bien dans les commentaires si si j'ai s'il y a des gens qui savaient ou pas. S'ils savaient, bah tant mieux. Tant mieux parce que moi je le sais depuis bah depuis que j'y joue. Vrai dire oui bah oui je le sais depuis que j'y joue au jeu. Et bah c'est un truc qui m'est venu à l'idée. J'ai dit bah tiens, je l'aurais jamais fait ça et tout, c'est. Faut que je leur propose parce qu'il y en a qui savent peut-être pas et tout. Et donc voilà. Peut-être une nouvelle vidéo, saviez-vous, sur ça. Si je vois que les gens ne savaient pas, hop, ça vaut une petite vidéo là-dessus. Comme j'avais dit à la vidéo, je savais pas que c'est ça, j'allais faire d'autres vidéos du même sujet, enfin du même concept. Si vous préférez, et bah apparemment si je vois que les gens ne savaient pas qu'on pouvait faire ça, il y aura d'autres vidéos comme ça le saviez-vous pour les bottes de paille. Voilà. Là je ne vois pas ce que je fais, voilà, donc je tombe un peu la pousse n'importe comment. C'est vrai que on ramassera soit je ramasse avec vous en off les pertes d'herbe, mais bon. En général, on fera attention de pas faire des pertes. Des pertes. Voilà, parce que j'essaie de parler correctement, c'est mieux. Voilà, voilà. Oh, c'est chiant la souris là qui veut pas se mettre comme j'ai envie. Voilà. Ok. Donc ça m'a bien pris l'herbe qui me restait. Voilà. Donc c'est chiant, faut tout bien vérifier. C'est un peu. Voilà. Alors après, nous allons reprendre. En haut, on va mettre un peu le temps en x120 si parce que je suis joie, j'aime pas travailler dans comme ça là. Alors le temps on est à où que je me trompe pas. Du coup je me base là-dessus et je trouve que c'est pas très très précis ça et ok. Ok. Hop, voilà. Ah bah voilà, donc là c'est bon, il fait jour. Hop, voilà, c'est tout ce que je voulais, c'était le jour. Alors, est-ce qu'on se base en haut ou pas? On va faire comme ça. Yop. Alors, on fait B, on fait V et on fait 2. Voilà. Donc 2 c'est le régulateur de vitesse pour ceux qui savent pas, mais bon. Je pense que si tu joues à Farming et que tu sais pas qu'il y a des régulateurs de vitesse, bah. Surtout qu'ils te le disent quand tu roules trop vite. Donc je pense que tout joueur de Farming savent qu'il y a des régulateurs de vitesse. Après ça dépend où vous les avez configurés. Moi c'est les touches par défaut, les régulateurs de vitesse.
Donc voilà. Hop. Donc VB. Ok. Donc ça c'est good. Donc même si j'ai fait quelques oublis à tondre, c'est pas très grave. C'est pas grave du tout, même j'ai envie de dire. On va activer la machine comme ça. On va faire BV. On va faire 2. Voilà, après on fait B, voilà, et après il fait okay. Ouais, donc c'est un peu énervant ça, va falloir que je rec... il va falloir que vraiment que je trouve un tracteur de base. J'ai un petit peu ma petite idée déjà là-dessus, quel tracteur on va choisir. Peut-être un Zeus ou un Linder ou un truc comme ça. Un truc assez pas mal. Enfin, le Linder. Y en a, ils aiment pas. Bon, je pense que pour tondre, ça suffit largement. Pour couper de l'herbe. Pour couper de l'herbe, franchement, c'est rien de plus bête. Mais ça rapporte de l'argent. Donc voilà quoi. C'est un truc qu'on fait pas beaucoup sur farming, je pense. Bah, si vous le faites pas, bah maintenant, je pense que vous allez le faire. Parce que vous savez que ça rapporte de l'argent. Mais c'est vrai que. Voilà. Moi, vous savez que sur farming, on ne s'occupe pas que de nos champs. On peut aussi tondre la pelouse. Bon, même si on fait un champ d'herbe, ce sera quand même s'occuper de nos champs. Mais on peut aussi tondre la pelouse sur Farming Simulator 2013. Sur le 2011, je sais pas parce que j'ai pas joué. Donc voilà. Mais bon, voilà. Donc au moins, vous savez que sur Farming, on s'occupe pas que de nos champs de blé, d'orge, de betterave et de pommes de terre ou de autres. Sauf que moi, je joue qu'avec les cultures de base. Et donc voilà. Ok, c'est good. Et donc voilà. Vous faites ce que vous voulez. Soit vous vous coupez de vos champs, ou soit vous tondez la pousse comme moi, qui rapporte de l'argent. Je pense que ça rapporte plus que si. Enfin, voilà. Moi, au moins, c'est surtout pour vous proposer. Autre chose que s'occuper du champ de blé là, du champ de colza que j'en ai un peu marre. Au moins là on s'occupe d'autre chose et puis c'est plutôt pas mal j'ai envie de dire. Donc là on s'occupe de ça. Hop 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 hop. VB. Hop, hop, on redresse. Hop. Hop. Est-ce que je fais entre les arbres? Je me doute un peu. Est-ce que je fais entre les arbres? Oui, c'est vrai que ce serait un peu à douter, ça, mais bon. On va faire entre les arbres. Voilà, nickel. Hop. Putain, mais non, mais c'est pas possible de voir ça. Voilà, je préfère ça. Alors. Ouais, bon, on va pas faire entre les arbres. On va pas se prendre la tête entre les arbres. Hein. Parce que c'est un peu galère. Hop, on va prendre ici l'herbe qui reste.
Ok, d'accord. J'essaie de trouver des endroits plutôt pas mal. Bah ici, si on fait un aller-retour, ok, d'accord. Je sais pas ce que je suis en train de faire. Bon, je pense que les temps d'épisode, je vais regarder. On en est à où? Parce que là, ça m'inquiète un petit peu. Ah, c'est chiant ça, 22 minutes. J'ai dit 25, hein. Encore 3 minutes. Et puis on va se quitter là-dessus. Donc je pense qu'on se retrouvera là-dessus. Donc là, on va l'éviter. Non, 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 on va pas éviter la remorque tout de suite, voyons. On va faire B, on va faire tac, et on va faire 2. Et normalement, c'est parti. Voilà. Voilà, bah voilà. Voilà, bah voilà, voilà quand ça veut. Putain. C'est quand ça veut, ça, hein. Hop. 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 Voilà, on va faire le tour comme ça du champ, c'est assez bête. On fait le tour du champ et puis après on se quittera. C'est assez bête hein, comme activité, mais c'est assez bête, mais ça rapporte de l'argent. Après, est-ce que ça rapporte plus ou moins que le colza, je ne sais pas. Mais c'est ça reste quand même de l'ensilage, donc voilà quoi. Je pense que c'est bête, mais ça peut marcher, donc voilà. Hop. Autant le faire. Donc après, je referai un petit tour. Voilà. Donc voilà les amis. Donc moi les amis, je vous dis à la prochaine. Donc on finit pas le chant, tant pis. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit j'aime à la vidéo, un petit commentaire comme toujours. Et ciao. Un petit j'aime, un petit commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre. Ça fait 10 fois que je répète la même chose. Et là c'est moi où j'ai baissé le truc. Ok, d'accord. Là je le baisse et là. Je remonte le truc. What the? Levé. Ouh, on prend pas trop là. Bref, c'est pas grave. Allez, ciao!